Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon mardi. Il fait super beau, super chaud, c'est un vrai bonheur. Alors, on poursuit un petit peu nos guidances hein, générales là sur signe par signe, hein. Mais là on va faire un focus amour. Hein. Hier on a fait un tirage un peu général sur les énergies du mois de juin sur général et amour hein, évidemment. Et là on va faire un focus amour, hein, donc que amour. Donc toujours le même principe. Alors là je vous encourage à aller regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Vraiment les messages vont parler. Très clairement. Et là, il y aura trois cartes à chaque fois pour être un peu plus précis encore. Donc, énergie du mois de juin, signe par signe, sur un focus amour. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Demain, je referai un focus supplémentaire avec deux vidéos hein, qui seront une vidéo sur pour les célibataires, une vidéo pour les triangulaires. Et là, je crois qu'on aura fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur les énergies du mois de juin, signe par signe. Encore une fois, vous regardez ça avec beaucoup de recul, ça reste un tirage général, hein, ça reste aussi ce sont des énergies que je capte, ce sont des messages, hein, ce n'est pas une étude astrologique précise parce que je n'ai pas vos dates de naissance, je n'ai pas vos heures de naissance, donc c'est pas du tout une étude comme ça, mais ça peut vous donner, hein, en allant regarder un petit peu tous ces messages et les mettant tous un petit peu côte à côte, plus ce que pour aller écouter chez mes confrères et consoeurs, eh bien ça peut quand même vous donner des pistes, hein, surtout plutôt avec mon tirage sur ce sur quoi vous allez avoir des possibilités et ce qui pourrait freiner hein, sur ce mois de juin. Alors, comme toujours, j'ai battu les cartes, donc je vais commencer par le bélier. Si vous souhaitez un tirage personnel, c'est dans la barre d'infos, vous regardez. Et puis, il y a aussi le soin de la pleine lune qui aura lieu le 5 juin, qui est disponible. Et vous pouvez regarder toutes les informations le concernant. C'est un très, très beau soin, hein, un soin énergétique qui va permettre de vraiment réaliser vos vœux. Hein. Je vais vraiment porter l'attention sur votre vœu. Donc, toutes les personnes qui rejoindront le soin pourront me donner leurs vœux pour que je puisse hein, faire un très, très beau soin autour de soi, de ça. Voilà, on y va, c'est parti, on commence par les béliers en amour sur le mois de juin. Alors, on a le retour, le boomerang, on a la foudre, ok, et on a le changement positif. Bon, eh bien pour vous, je vais mettre ça, pour vous amis, peut-être que vous n'allez pas très bien voir, je vais peut-être mettre un peu de lumière, mais je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de soleil. Pour vous amis béliers, sur ce mois de juin, on vous dit qu'il y a le retour de l'amour, il peut y avoir le retour de quelqu'un, ça se fait de manière extrêmement rapide, c'est positif, hein. La foudre et le changement positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se passer que vous n'avez pas prévu. Donc il peut y avoir, si vous êtes célibataire, il peut y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un du passé, hein, un retour. Il peut y avoir aussi une réconciliation, si vous étiez fâché, vous êtes en couple et que vous étiez un peu en froid. Hein, donc voilà, il y a du retour, il y a le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on a connu, ou quelqu'un qui avait un peu disparu, ou une réconciliation. En tout cas, ça se fait de manière un petit peu imprévue. Hein, vous l'avez pas, vous n'allez pas le prévoir, ça se fait de manière rapide et c'est pour un changement extrêmement positif pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit oui. Alors, retour du passé, quand on dit quelqu'un du passé, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui avait seulement croisé votre chemin il y a quelques temps et qui peut-être à cette époque-là n'était pas disponible, on me dit, et qui pourrait là revenir vers vous parce qu'il est disponible. Pour les triangulaires, on me dit que ça peut être vraiment quelqu'un qui se sépare et qui vient vers vous ou qui revient vers vous. Hein. Il y a une décision qui est prise. Décision rapide, un coup du sort aussi, ça peut être ça. Et c'est pour une évolution extrêmement positive. Voilà pour les petits béliers. Alors, on va aller voir maintenant les petits, ben non, les taureaux. Les petits taureaux en amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un retour aussi, ok. Il y a un retour. Alors là, c'est pas un retour au sens retour de quelqu'un. Hein. On va aller creuser un peu. Ouais, on tranche, ok. Et on a une déclaration des sentiments. Ok. Le retour, c'est pour vous, amis taureaux, là, plutôt, on se rend. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vous décidez vraiment de vous rendre disponible et de faire une vraie déclaration d'amour à l'amour. Hein, vous déclarer, vous allez déclarer à l'univers. Vous pouvez déclarer à l'univers que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. C'est le retour de l'amour. Hein, c'est peut-être le retour d'une rencontre aussi. Hein, mais c'est quelque chose avec l'âme. Hein, c'est quelque chose. C'est ça passe ou ça casse. Hein, c'est une évidence. Hein, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de doute. Boum, on tranche. Ça pourrait être la carte du jugement. Si on était dans le tarot. Hein. Là, c'est authentique ou pas. Hein. Et si vous êtes en couple, on va se parler de manière extrêmement directe, extrêmement authentique, extrêmement simple. Hein. On va aller droit au but. Hein.
C'est ça pour vous, hein, pour les taureaux. C'est un côté un peu fonceur du taureau, c'est j'y vais, je dis ce que je pense. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous n'aviez pas osé vous déclarer, eh bien là, vous allez le faire, vous allez vous déclarer, vous allez vous allez dire ce que vous pensez, vous allez prendre des décisions. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose de très concret pour vous, amis taureaux. Alors, nos amis les Gémeaux maintenant, nos amis les Gémeaux au mois de juin, mois de votre anniversaire. Waouh, on a de la passion amoureuse. Quelque chose que vous demandez depuis longtemps, que vous souhaitiez, hein, l'univers vous offre. Mais attention de ne pas tomber dans de la dépendance. Ok. Pour vous, amis Gémeaux, on vous offre sur un plateau une histoire d'amour, hein, peut-être qu'elle est là et elle se développe, que vous avez demandé, ou une rencontre, et c'est quelque chose qui va être extrêmement passionnel, extrêmement addictif, et on va dire attention quand même que ça ne tourne pas à la dépendance affective pour toi, hein. Ou alors que si tu es dans une relation, tu ne restes pas par dépendance et non pas par envie, hein. Il y a aussi ça, on te dit là, attention, tu vas être mis à l'épreuve sur ce mois de... Caler un peu mieux la vidéo. Pardon. Tu vas être un petit peu mis à l'épreuve sur ce mois de juin par rapport à ta relation à l'autre. Est-ce que tu es avec l'autre par besoin ou par désir? On est vraiment très, très, très... Vous allez être très challengé là-dessus, amis Gémeaux. Mais c'est très positif quand même. Hein. Il y a de la passion amoureuse. Mais attention qu'elle ne soit pas sous le signe de la dépendance affective. Alors, pour nos amis de cancer. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'il y a au mois de juin pour vous? On a la distance, on a l'ordre, ok, et on a l'échec. Ok, alors pour vous, bon, on va dire qu'il y a, je crois quand même qu'il y a sur ce mois de juin, par rapport à une situation qui est compliquée, qui est difficile, que vous vivez un peu comme un échec, hein, une relation amoureuse qui n'est pas comme vous souhaitez, une relation, une vie de couple qui n'est pas ok, une relation peut-être triangulaire, je ne sais pas, ou par rapport à votre célibat, il y a quelque chose que vous vivez mal et vous décidez, il y a quelque chose qui est décidé de prendre, soit de la distance, si vous êtes en couple, il y a une prise de distance, hein, il y a vraiment quelque chose qui se fait, vous prenez une décision de vous éloigner d'une situation qui vous fait souffrir, et si vous êtes célibataire, vous allez rompre là avec quelque chose qui vous faisait du mal, c'est-à-dire que pour les célibataires, c'est on fait le deuil définitif d'une relation passée. Pour les gens qui sont en couple, si ça se passe pas bien, si c'est compliqué, si vous avez le sentiment que c'est quand même pas top pour vous, eh bien, il y a vraiment la volonté de prendre de la distance, on s'éloigne. En fait, vous allez couper ce qui vous fait du mal dans la relation. Alors, ça peut être quitter la relation, mais pas que. Un être de l'ordre aussi, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi dire à l'autre, non, mais là, je ne suis pas OK avec ce que tu fais, c'est pas OK, ça ne me va pas, il faut que ça change. Sinon, je m'éloigne, quoi. Vous voyez, on dit les choses, on met de l'ordre dans sa vie amoureuse, et on arrête de souffrir, on arrête de subir sa vie amoureuse. Waouh, les cancers vont envoyer du lourd. Alors, on va aller regarder pour nos amis lions. Nos amis lions, alors, il y a de l'amitié, il y a de la joie, il y a du bonheur. Attention à l'illusion et les secrets. Ok. Alors, on vous dit, vous, dans votre vie amoureuse sur ce mois de juin, on vous dit, attention, derrière une façade très joviale, très sympathique, très... tout va bien, on est peut-être en train de vous cacher des choses et de vous illusionner, on est peut-être en train de vous faire croire des choses, on est peut-être en train de vous raconter une belle histoire, ou on va être tenté de vous raconter une belle histoire qui va quand même qui cache quand même quelque chose. Donc on vous dit, sur ce mois de juin, soyez quand même extrêmement lucide et ne prenez pas des vessies pour des lanternes, n'avalez pas tout cru, cherchez quand même à vérifier. Attention, il ne s'agit pas de devenir parano, mais le trop beau pourrait vraiment pour vous, amis lions, pourrait vraiment être pour vous le maître mot de ce mois de juin. C'est trop beau pour être vrai. Hein, donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, allez bien voir derrière, est-ce qu'il est réellement célibataire? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que si vous êtes dans un couple, qu'est-ce que l'autre vous dit bien la vérité? Enfin, en tout cas, est bien authentique avec vous. Il y a quand même une question d'authenticité. Et vous aussi, hein, on va vous demander ce mois de juin d'être très authentique dans votre communication amoureuse. Alors, les vierges en amour. En amour pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps, ok. On a l'abondance, ok. Et on a la relation éphémère. Ok. Bon. Alors, pour les vierges célibataires,
Il y a vraiment, on vous dit, on est encore dans une, on est encore peut-être dans des relations qui vont être extrêmement joyeuses, extrêmement créatives, et qui vont vous apporter énormément de plaisir, mais qui pourraient être une relation encore qui pourrait n'être qu'éphémère. Hein, on n'est peut-être pas encore sur la rencontre, the rencontre. Hein. On dit en tout cas, c'est peut-être pas le moment. On est peut-être encore dans quelque. On vous dit peut-être, c'est peut-être encore le moment de profiter de la vie et de laisser faire, de pas trop tirer de plan sur la comète. Hein. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, on vous dit attention. On vous dit attention à ne pas. Alors ça, c'est pour les couples qui viendraient de se rencontrer ou qui auraient été ou sur lesquels il y aurait un retour. On vous dit attention ne faites pas des choix de sécurité. Hein, on vous dit pour vous les vierges qui êtes en couple, ne faites pas des choix de sécurité. Ne choisissez pas la sécurité pour l'amour. Choisissez l'amour et pas la peur. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Si vous choisissez la peur, ça va pas marcher. Donc on vous dit il y a quand même une prise de risque à faire. Si vous voulez l'abondance dans votre vie amoureuse, mais c'est aussi pour les célibataires. En tout cas, on vous dit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, le message fort pour vous, amis vierges, si vous voulez de l'amour, si vous voulez quelque chose dur, de quelque chose qui soit abondant, eh bien, investissez-vous aussi, voyez, soyez pas dans la réserve, soyez pas dans vos peurs. Si vous vous investissez pas, eh ben, l'autre va pas s'investir non plus. L'abondance est dans les deux sens, voyez. Hein, on me dit que pour certaines vierges, vous êtes trop sur la retenue, faut vous lâcher, là, faut faire confiance, c'est le moment. Mais en même temps, il peut aussi y avoir ça, hein. Il y a la prise de risque, il peut y avoir les deux, hein. Ok. Allez, pour nos amis balance maintenant. Les balances en amour au mois de juin. Alors, on nous parle de solitude, ok. On nous parle d'écriture, de messages. On nous parle d'évolution positive, ok. Pour vous, les balances, il peut y avoir quand même encore sur ce mois de juin un petit sentiment de solitude. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il peut y avoir encore un petit peu ce sentiment que vous sentez seul. Mais vous commencez à communiquer un petit peu avec votre autre ou avec la vie là-dessus, et ça permet de faire une évolution positive. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que peut-être vous commencez à y voir plus clair, à oser exprimer vos ressentis à vous-même par écrit ou à des amis ou à un thérapeute. Voilà, vous osez un petit peu vous parler de vos peurs, parler de vos craintes, et ça va vous faire évoluer tranquillement pour quitter cette solitude, hein, parce que ce n'est qu'un sentiment, on me dit. Et si vous êtes en couple et que vous sentez seul, c'est parce que la communication n'était pas jusqu'ici extrêmement extrêmement favorable, et là, elle va le redevenir, une évolution positive sur vos échanges, hein, qui vont faire que vous allez vous sentir moins seul. Vous allez oser dire ce que vous ressentez, et votre autre aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va vers... En tout cas, ce qu'on vous encourage à faire, si vous vous sentez seul, hein, c'est vraiment à communiquer, à dire ce que vous ressentez, sans être accusateur, évidemment, mais à vous exprimer, à demander de l'aide aussi. Ça vous permettra de vous sentir mieux. Parce que si vous êtes seul, ami balance, c'est parce que vous ne demandez pas d'aide et pas de soutien. Ok ? Alors, ami scorpion, sur le mois de juin pour la vie amoureuse, on a la discussion chaleureuse, on a le mensonge, ok, d'accord, très bien, hop, et on a la réflexion, ok. Moi, j'ai l'impression que quand même, ami scorpion, soit on va quand même vous mentir lors de conversations, ou soit c'est vous qui allez mentir, je ne sais pas. En tout cas, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait authentiques. Et on vous dit attention quand même, parce qu'en face, si c'est vous qui mentez à quelqu'un, si vous racontez une jolie histoire à quelqu'un, on ne va pas vous croire. Hein. La personne, elle va être en réflexion. Faites attention, elle n'est pas naïve. Et si on vous ment, on va vous demander de ne pas l'être non plus. C'est quand même un mois, ami scorpion, en amour, on va vous demander d'être honnête. Vous allez être observé. Et si vous racontez des bobards, entre guillemets, ou si on vous raconte des bobards, eh bien, ça va pas passer. Hein. Il y a quand même une réflexion qui se met en place. Hein, qu'on réfléchit, on se dit, on doute, même si c'est bien enrobé, même si c'est joli, même si on donne l'impression que tout va bien. Hein. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes un scorpion, attention à pas... l'autre en face, il se peut qu'il y en ait un autre en face, il n'est pas au courant, qui commence à avoir des gros doutes. Ou si c'est vous qui êtes avec quelqu'un qui finalement vous soupçonnez d'être en triangulaire, eh bien, vous allez vraiment... Là, vous allez vous mettre en recul et essayer de comprendre. Hein. Vous allez voir. En fait, en tout cas, il y a beaucoup plus de clairvoyance. Donc, c'est pas le moment. Le conseil, c'est que c'est vraiment pas le moment de mentir. C'est le moment d'être honnête, d'être totalement transparent et honnête avec les autres en amour. Parce que sinon, l'autre va commencer à avoir des doutes. Allez, on poursuit. Amis Sagittaire, l'amour au mois de juin. Oh, on a beaucoup de sérénité, beaucoup d'équilibre, une protection. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une solution. Bon, bah écoutez, c'est super. Pour nos amis
Sagittaire, au mois de juin, en amour, on vous dit, vous retrouvez, quelle que soit votre situation, que soyez célibataire, en couple, en triangulaire, vous retrouvez beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, une très grande protection de l'univers, et ça, ça vous permet de trouver des solutions. Voilà, que ce soit pour arranger une situation. En tout cas, là, ça se stabilise. Alors, est-ce que ça se stabilise concrètement? Oui, et vous allez trouver des solutions. Mais ça peut aussi se stabiliser émotionnellement. Émotionnellement, vous devenez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Du coup, vous vous sentez plus à l'aise et du coup, vous trouvez des solutions à votre situation. Voilà, en tout cas, ça s'apaise pour vous, pour les Sagittaires. Si c'était un petit peu rock'n'roll sur le mois de mai, eh bien, au mois de juin, vous retrouvez beaucoup de sérénité. Hein. Allez, on termine avec les trois derniers signes. On va aller voir nos amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Waouh! Alors, on a la fatalité, ok. Le désert, ok. Et la patience, ok. Alors, bon, pour vous, on vous dit, sur une situation qui s'est effondrée ou qui vous êtes retrouvé tout seul, on vous dit, il y a peut-être une situation qui est en train de se produire ou qui va se produire au mois de juin. Hein, vous allez un petit peu, il y a quelque chose qui va s'effondrer, vous allez vous retrouver seul et on vous conseille la patience. On vous dit, sois patient. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose du passé. Hein. Il y a quelque chose, c'est pas quelque chose qui arrive là au mois de juin pour vous. Il y a eu une situation, peut-être il y a quelques mois, quelques semaines, qui s'est effondré, qui s'est arrêté, et ça vous a créé beaucoup de solitude. Et on vous dit, sois patient parce que tu es en train d'en sortir. Alors, est-ce que c'est une rupture d'il y a quelques années, quelques mois, et vous êtes en train de sortir de votre solitude? Vous êtes au bout du chemin que vous aviez à faire là-dessus. Je vois pas, ça pourrait, je peux me tromper, mais je vois pas que ça va s'effondrer ce mois-ci. Hein, je vois vraiment que pour les Capricornes, ça s'est effondré. C'est déjà fait, ça s'est effondré. Vous vous êtes retrouvé seul. Ou alors, bon, ça peut arriver aussi. Hein, et on vous dit, ça y est, la patience, ça veut dire, ça y est, on aurait pu sortir Nadine, vous voyez, effondrement et lumière au bout du tunnel. Ou en tout cas, bah, pour les Capricornes à qui ça va arriver ce mois-ci, hein, qu'il va y avoir une rupture, une séparation, eh bien, on vous dit, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux, pardon. Eh bien, on vous dit, ami Capricorne, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va s'arranger rapidement. Soit laisse passer l'orage, ça va s'arranger. Ok, alors, nos amis Verseau. Alors, on vous dit le verdict, ok. La femme, ok. Et la clairvoyance. Ah, ok. On vous dit, de toute façon, vous, ami Verseau, sur une situation amoureuse, hein, la femme, ça représente les émotions, l'intuition, vous allez prendre une décision parce que vous allez y voir plus clair. Ça y est, ça s'éclaircit. Vous comprenez ce qui se passe. Peut-être que ce n'était pas très clair au mois de mai, mais là, ça devient très clair, très fluide. Donc, vous comprenez parfaitement ce qui se passe, ce qui se joue. Et ça vous permet de prendre une décision avec le cœur. Hein, alors, est-ce que c'est une décision de rupture? Est-ce que c'est une décision de se mettre en couple? Voilà. En tout cas, il y a une décision qui tombe. Ça peut être un divorce, hein, qui est prononcé. Ça y est, plutôt à votre avantage, ami Verseau, si vous êtes Verseau. Hein, en tout cas, quelque chose de juste pour vous. Mais ça peut être aussi vous qui prenez la décision avec votre cœur. Et vous faites les choses vraiment avec le cœur. Et du coup, c'est extrêmement positif pour vous. Parce que là, vous y voyez clair, vous savez exactement ce que vous voulez. Alors, on termine avec les poissons. Les poissons en amour au mois de juin. Ouh, il y a du changement. Il y a des opportunités. Ah, il y a une séparation. Ok. Alors, très clairement, pour les poissons au mois de juin, il peut y avoir une séparation qui est voulue par vous ou qui a été... Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même... Bon. En tout cas, même si vous ne l'avez pas voulu, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous parce que c'est une séparation qui ouvre la porte tout de suite à quelque chose d'autre. Alors, est-ce que vous quittez quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes quitté puis tout de suite vous rencontrez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a eu une séparation il y a quelques mois et finalement, ça y est, là, ça vous ouvre des nouvelles portes? Bref, il y a quand même une séparation qui vous permet de passer à autre chose. Hein. Alors, c'est pas forcément... Alors, moi, on me dit aussi, les guides me disent, c'est pas forcément une séparation amoureuse. Hein. C'est peut-être un choix de vie. Hein. Vous faites peut-être un choix de vie de rejoindre quelqu'un, de quitter une région, de quitter... Enfin, en tout cas, vous faites un choix de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, c'est très positif. Hein. C'est pas ça s'effondre, il se passe plus rien. Non, c'est vraiment, je fais le choix de quitter quelque chose parce que j'ai envie de faire évoluer ma vie positivement et je vous ouvre des portes.
et j'ouvre des portes. Donc, c'est très positif, quoi qu'il arrive. Donc, si vous êtes dans une séparation, si vous l'avez vécu, vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou de quitter un endroit parce que vous avez envie de déménager, parce que finalement, c'est des mauvais souvenirs pour vous, par exemple, eh bien, on vous dit, c'est bien, vas-y, continue. Il y a des choses à lâcher encore pour vous, les poissons. Là, on lâche des choses parce qu'on a envie de changement positif. Il est là et ça ouvre des nouvelles perspectives. Waouh! Et bien voilà pour ce petit focus spécial amour. Hein, on se retrouve la suite demain. On parlera spécial triangulaire et célibataire. Donc deux vidéos différentes. Et on se retrouve demain matin pour les messages des guides à 10h sur Instagram pour un tirage qui a lieu en live tous les jours. Hein, c'est un choix multiple. Vous avez une question à poser au guide. Vous avez besoin de réponse sur un sujet ou tout simplement vous avez besoin d'entendre quelque chose. Eh bien, vous venez, vous vous connectez à 9h55. Je vous fais un tirage à choix. Vous choisissez et je canalise un message pour vous. Si vous n'êtes pas disponible, eh bien, les lives Instagram sont disponibles sur IGTV pendant 24 heures au moins. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. À bientôt, bye bye.